Non mais ça va être dingue, cette présidentielle elle va être folle, tout le monde se présente hein. Ah ouais. Éric Zemmour, Anne Hidalgo, apparemment la semaine prochaine ça va être Claude de Koh-Lanta, enfin tu vois ça va être... Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Non mais on a envie de savoir. Elle le dit, présente. C'est vrai, elle veut que tu te présentes? Pourquoi tu es dans la politique? Elle est Bah alors tu vois, l'arroseur arrosé alors, elle est dans la politique. C'est vrai, vous êtes dans la politique? Où ça? Dans le, sur Paris, région parisienne, sur... C'est le couple balkanique, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'on a là? Parce que je vois qu'on est bien sapé, on a un petit pied retourné, c'est quoi? C'est de l'humuc, c'est quoi ça? Un salaud là, dis donc. Non, vous êtes vraiment dans la politique? Mais arrête de... c'est pas drôle Tu vois, fallait pas... En plus, t'as une bague, elle a un louis d'or en bague. On est à Levallois-Perret, vous connaissez? C'est vrai, elle est à Levallois. Oh putain, et tu fais de la politique à Levallois? Il y avait des signes, elle a des Balenciaga, elle a un louis d'or. Non mais il y avait des signes avant coureur. Et c'est vous qui avez repris derrière les Balkans. C'est elle qui a repris? Pourquoi tu me dis non et oui en même temps, n'est-ce pas? Eh, t'es rue Saint-Denis, hein, fais gaffe à ton sac à main en sortant. Hein. Non mais je veux creuser, je veux vraiment creuser. Parce que là tout le monde a envie de savoir. Donc, hein. On a intérêt d'être invité à Saint-Tropez cet été, moi je te le dis. Hein. Alors, mais non, c'est toi qui lui as parlé. Hein. La honte, tu t'es mise toute seule. Hein. Isabelle. Corinne. Elle s'appelle Corinne, en plus. Le parrain de mon fils, c'est Zemmour. Je m'appelle Corinne. Arrête, c'est vrai. Bon, Coco, t'es mort. Non, Coco, on va creuser. Je suis désolé, je sais que j'avais un texte. Là, je m'en bats les couilles. Maintenant, je veux savoir où tu exerces, qu'est-ce que tu fais. Tu travailles à la culture, t'es quoi? Non, t'es élu. Elle est tout le temps comme ça à la maison. Elle est gênée, elle rigole, elle est là. Je te laisse tranquille. On arrête ou on continue? On va continuer. Bon. Je t'ai dit, bah non, mais là c'est fini, hein. Le texte est fini. Alors j'ai peut-être parlé à monsieur. Alors monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Entrepreneur. Il m'a parlé, sale Pacino, entrepreneur. Entrepreneur. Il est entrepreneur dans quoi? Comment? Il me chuchote. Mais attends, mais arrête. Tu me fais peur. Bon. Dans le bâtiment, tu m'as dit? Monsieur Vinci? Vous êtes Monsieur Vinci? Non. Ah, t'es un petit entrepreneur? Mais pourquoi tu m'as dit que vous êtes dans la politique? Elle est dans la politique, quoi? Arraché le masque tout à l'heure. Ah ouais! L'entrepreneur, mais à la maison, que basse! Corinne, oui? Je peux te regarder, Corinne, ou pas? Excellent. Merci! Maman, bon, alors. T'arrêtes là. Bon bah je viens de me faire flasher, c'est le mon temps à partie. Il me reste une minute ou c'est fini octave? Une minute, tu me dis tout en une minute, Irène. On veut tout savoir. Ton curriculum vitae, groupe sanguin, on veut tout savoir. Politique, vas-y, dis-moi tout. Elle est dans la politique? Un petit peu. À Levallois? Un petit peu, ok. Elle détourne des fonds? Un petit peu. Non, c'est fini ça. Oui, moi, c'est fini, ça. Bon, allez, merci de m'avoir écouté, les amis. Je vous laisse là-dessus.
Les amis, j'ai un spectacle. J'ai un spectacle, je joue la première de mon spectacle ici le 29 octobre, c'est un vendredi, on fait Shabbat ensemble. Voilà, ça sera à 20h15, vous venez ? Oui. Je vous veux au premier rang. Ah tiens, regarde, il me tend, tiens. C'est pas un pot de vin, mais vas-y, tu peux y aller quand même. Tiens, je vous laisse, tiens. Toi aussi, tu viens ? Tu fais quoi le 29 octobre ? Ouais. Tu viens avec madame ? Ouais. C'est pas à toi ? Bon, très bien. Ok, je vous le donne. Oula, bonsoir. Oula, j'avais pas vu cette personne. Très bien. Ah, c'est dommage, on aurait pu faire encore 20 minutes là-dessus. Comment ? On travaille ensemble. On travaille ensemble ? Ah, ok. Pardon ? Mais as-tu chuchoté vraiment toute la vie? D'accord. On est payé. Ouais, il demande l'oseille. Tiens, tu fais passer. Les amis, 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre, je serai là. Merci de m'avoir écouté. Thomas Angèle vit.